Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve une soluce un peu particulière, car j'aimerais qu'on parcourt ensemble le plateau du prélude de Breath of the Wild pour y découvrir certaines choses assez sympas. Je vous montre, ceux qui n'ont pas joué à Breath of the Wild ou si vous vous souvenez plus, ça se trouve, on est là. Hein. Alors, bon, je pense que vous avez déjà remarqué, ceux qui ont joué à Breath of the Wild, c'est que les abîmes. J'en avais déjà parlé il y a quelques vidéos, mais les abîmes se trouvent exactement là où se situaient les sanctuaires du prélude. Ça, c'est déjà un gros clin d'œil, hein, on va pas se mentir, ils sont exactement où se trouvaient les sanctuaires. Ensuite, il y a énormément de choses. Donc là, je vais vous montrer où je me trouve. Je me trouve ici. Alors, si vous vous souvenez bien, dans Breath of the Wild, c'est là où on parlait au vieil homme qui est en fait... Roam, hein, le roi d'Hyrule, l'ancien roi d'Hyrule décédé. Et donc, j'y suis retournée pour voir hein, s'il y avait quelque chose de particulier. Donc, si je vous montre voilà, cet édifice, vous allez forcément vous souvenir. Et on y trouve un espadon royal. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de place dans... Donc voilà, c'est à l'endroit où on parle au roi, on trouve un espadon royal. Moi, je prends ça vraiment comme un clin d'œil. Hein. Il y a énormément de choses royales, entre guillemets, ici. Donc, on va continuer. Et d'ailleurs, il y avait un korogu. J'ai soulevé totalement par hasard, il y avait un korogu ici également. On va continuer. J'ai mis quelques repères. Hop. Déjà, l'espadon royal près de l'endroit où on a parlé au roi dans Breath of the Wild est clairement un clin d'œil. Allez, on continue. Bouge. Like, vous pouvez le faire ou l'éviter, c'est bon. Ouais. On serait tenté de vouloir utiliser Polaris, mais c'est en prise. Donc voilà, un bouclier royal. C'est clairement pour moi, enfin, trouver un bouclier royal 55 ici, c'est clairement une succession de clins d'œil à l'ancien roi d'Hyrule, à Roam. Et il y en a vraiment, il y a profusion. À l'ancien plateau du prélude, il y a vraiment profusion ce genre de clins d'œil. On continue à en faire encore quelques-uns. Hein. Et je pense que, c'est même certain, ils savent qu'on va y retourner, ils savent qu'on va aller revoir ce qui a des points un peu clés et ce qui est plus clé, on va dire, que le plateau du prélude de Breath of the Wild. Donc on va forcément y retourner, ils le savent très bien. Et je trouve ça assez cool qu'ils aient fait ce genre de petit clin d'œil. Je pense pas que je vais pouvoir m'infiltrer ici. Trop. Ça aussi, hein, les pouvoirs
Les pouvoirs dans Tears of the Kingdom n'ont rien à voir avec ceux Breath of the Wild. Hein. Il y a très très peu de portée. Pas pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Alors, on va le refaire sans inverse. Ah. Sortir de la grotte. Cette grotte aussi est pas trop, est vraiment pas mal pour faire le glitch qu'on vous a montré pour faire repop la lune de sang. Hein, si vous voulez savoir de quoi je parle, n'hésitez pas à regarder notre Solus, forcer une lune de sang à apparaître. Enfin, c'est plutôt sympa. Cette grotte aussi viendrait bien. Allez. Est-ce que j'ai assez d'endurance? Et sur le plateau du prélude. Et vous vous souvenez, il doit y avoir énormément de souvenirs qui vous reviennent à l'esprit hein, lorsqu'on arrive ici. Sanctuaire. Parce qu'il y a une construction. Ici. Donc le coffre à atteindre est là-bas. Je pouvais l'atteindre du pas casser la tête pour rien. Est-ce que je pouvais l'atteindre de là? Ouais, j'ai vu la portée d'emprise, hein, c'était sûr. Ah, bon. Des fleurs bombes, rien de royal là-dedans. Envie de m'aventurer. J'ai l'impression, je sais pas si c'est par rapport à Breath of the Wild, mais quand je vois un arbre comme ça creux, je me dis qu'il y a forcément un courroux. Ce qui est moins vrai hein, dans Tears of the Kingdom, c'est pas toujours le cas. Et là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Alors, on se souvient. C'était l'emplacement d'un sanctuaire. Qu'est-ce que je suis bête? C'est bête. Donc là, c'était l'emplacement du sanctuaire. Je crois que c'était Polaris, hein, de mémoire. Là-bas. C'était quelque part vers là. Là où il y a le miasme. Non. Rien. Bon, ah, forcément, ouais. Un cours au bout. Mettre une petite feuille. Si. Forcément, il n'y a pas encore un. Forcément. Oh, cette pierre là, c'est bon.
la science infuse. Je sais pas. Vraiment plus tard. Bon, on va continuer. Allez, vers. Ceux qui n'ont pas joué à Breath of the Wild, je vous invite vraiment à le débuter. Si vous avez aimé Tears of the Kingdom, il n'y a aucune raison pour que vous n'aimiez pas Breath of the Wild, hein, vraiment. J'aurais du mal à comprendre. Une lame ancestrale, donc cette lame antique en forme de dague peut désintégrer un ennemi trop petite pour être maniée comme une arme à part entière. Elle est surtout utilisée en pointe de flèche, donc on voit que c'est clairement de la technologie Sheikah. Donc voilà, on en trouve ici au prélude, qui pour moi est également évidemment un clin d'œil. Allez, on va se rendre au prochain point. Il y en a plein hein, ici, hein. J'en ai noté que quelques-uns, mais il y a déjà des coffres que j'ai pris. Voilà, on peut pas, malheureusement, quand on fait le jeu, on peut pas se dire, ouais, bah tiens, attention, si peu de temps, tu feras une soluce. Donc, il y a plein de choses que j'ai déjà pris. Donc, là, je vais vraiment sur ce que j'ai laissé, le peu que j'ai laissé. Quand on commence le jeu, je suis rapidement retournée à ces endroits-là. Allez, on continue. N'hésitez pas si vous avez d'autres objets ou d'autres clins d'œil comme ça. N'hésitez pas à les partager. On mettra d'y retour. Un point ici. Est-ce que j'avais mis un point ici? Non, quelque part. Laisse-moi tranquille. En plus, de dos et de loin. J'ai oublié, j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était le roi, vous savez, comme les Gigas nous font des blagues, hein, ils nous attendent, ils l'ont fait avec Zelda. J'ai cru que c'était un Gigas qui avait pris l'apparence du roi, c'est pas le cas. Voilà, épée royale. Il y a énormément, malheureusement, plus de place. Enfin, en bête, j'échange de l'espadon contre l'épée, mais bon. De toute façon, c'est corrodé. Hein. Il y a énormément de petits clins d'œil, clairement, parce que là où on trouve beaucoup d'armement royal, c'est bah, au château, c'est logique. Mais dans le jeu, j'en ai trouvé très peu, du moins condensé à ce point-là, non. Au plateau du prélude, il y en a énormément. Par contre, c'est vrai que on a des réflexes hein, quand on voit ce genre de, comme quand on voit ce genre d'arbre creux, on est persuadé qu'il y a un corps au goût. Mais alors, il y en a 1000 dans Tears of the Kingdom. Et oh là là, pourquoi 1000 quoi? Il y en a 1000, mais bon, comme ils ont fait du par deux, et les énigmes sont un petit peu moins évidentes, moins prises de tête, mais 1000 quand même. Hein. Ma tenue de batracien pour grimper. Ça, par contre, ils nous ont écoutés. Hein. Ils nous ont pas écoutés sur les armes qui cassent.
Ils ont pas écouté sur les corbeaux, mais ils nous ont écouté. Ils nous ont donné une tenue. D'ailleurs, moi, j'ai une grosse, grosse frustration au niveau des armes. Alors, on va me rétorquer que on peut amalgamer. Mais moi, dans Breath of the Wild, j'adorais vraiment aller taper du linel en boucle, voilà, avec le mode expert, aller taper des linels or pour avoir des armes que je mettais chez moi. Cette frustration-là, il n'y a pas. Oui, on peut amalgamer, mais on n'a pas ces belles armes de base. On peut garder sur nous ou mettre à la maison parce qu'il faut les amalgamer avec quelque chose. Et j'aime moins. Ouais, c'est une question de goût, hein. Je suis persuadée qu'il y a un nombre de personnes qui préfèrent ce système. Moi, pas trop. Je préférais l'autre. Enfin, on ne peut pas tout avoir, hein. C'est un nouveau jeu. Vous ne pouvez pas garder absolument. Tout comme Breath of the Wild, sinon il n'y avait aucun intérêt de sortir un nouveau jeu. Là, je me l'étais noté aussi. Il y a un coffre pour un. Lui, ça va plus. Après, quand on se met des points comme ça, le tout c'est de se souvenir où exactement, où, pourquoi, comment. C'est pas toujours évident. Pourquoi est-ce que j'avais mis un point ici? Forcément quelque chose. Plus, ouais, c'est. Pareil, sur la quête pour les différents. Crois que je vous fais venir ici pour rien alors que je l'ai déjà ramassé. Au cas où, pour vous, si moi je l'ai déjà ramassé ici. Une arme quasi certaine et je pense l'avoir déjà ramassée. Parfois de mettre des repères sur la map en se disant je vais revenir plus tard et malheureusement attends. Encore là, eux, hein. Ils étaient là dans Breath of the Wild, ils sont encore là, Tears of the Kingdom, fidèles au poste. Hein. J'aurais aimé, mais il y en a plein, hein. Il y a plein, plein, plein. Au plateau du Prélude, c'est full, c'est rempli de. Et, bah, oh, ouais, c'est j'ai enlevé mon arme, forcément. C'est rempli de clins d'œil. Il y en a partout. Assez doux pour faire un truc tranquille. Pense que j'ai dû. M'agace quand je retrouve pas pourquoi je suis venue. C'est dingue, hein, ça a pas. Ça, c'est vraiment exactement la même chose. Il y a les mêmes ennemis au même endroit.
nostalgie. C'était il y a que 6 ans, hein, mais j'ai l'impression que c'est une éternité quand je reprends. Je marche sur ces pas-là. Je me revois la première fois que j'ai pris Breath of the Wild en main avec Polaris. Je n'arrivais pas. J'étais bloquée ici, mais vraiment, mais à la limite de la crise de nerfs. Parce que je n'arrivais tout simplement pas à faire un pont. Et là, enfin, là, forcément, je me demande d'ailleurs, ça me fait vraiment sourire parce que si j'avais eu ça, si on avait eu ça à l'époque pour passer, j'aurais jamais fait une crise de nerfs. Hein. Et je me revois faire une crise de nerfs incapable de remettre. D'ailleurs, je pense que ça aussi, c'est totalement un clin d'œil. Parce que je pense que je ne suis pas la seule qui a galéré à mettre cette. Il y avait deux planches. À mettre ses planches ici pour passer de l'autre côté, je suis tombée un nombre incalculable de fois dans l'eau qui est gelée. Forcément, ben, comme on est avec 3 cœurs, tient pas longtemps. Hein, tombé un nombre incalculable ici. Qu'est-ce que je pétais un plomb! Ah, c'était horrible. Le nombre de fois où je me suis dit, oh, c'est bon, laisse tomber. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Mais bon, ben, tu n'arrêtes pas Breath of the Wild, hein, c'est certain. Donc ça aussi, je pense que c'est un clin d'œil, franchement. C'est un petit coucou. On est toujours là. Donc voilà, je pensais en trouver un petit peu plus. Bon, je vais pas continuer plus longtemps parce que je suis capable de refaire totalement de A à Z tout le prélude, hein, pour chercher des choses. Donc bref, donc je vous remonte ici, ce plateau. Ici à cet endroit. Je vous invite vraiment à fouiller car vous voyez, on trouve énormément d'armes de type royal. C'est clairement des clins d'œil. Alors, celui qui me semble le plus évocateur, c'est celui qu'on va trouver ici, donc sur cette partie-là où on rencontrait dans Breath of the Wild où on parlait au vieil homme qui est en fait le roi Roam et où on trouve là dans Tears of the Kingdom l'arme royale. L'arme royale, qui est l'arme du roi Roam, hein, on le voit dans Breath of the Wild l'utiliser. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout, si vous avez vos propres petits clins d'œil, vos propres easter eggs, en sachant que moi, malheureusement, en grande fan de Breath of the Wild que je suis, j'ai déjà ramassé énormément de choses. Donc, je ne peux pas tout vous montrer, mais je suis persuadée, vu la profusion des clins d'œil que j'en loupe. Donc n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous avez trouvé pour que je puisse également en profiter. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.